T'es trop gentil, Lady. T'es vraiment très gentil. Quoi qu'il en soit, salut YouTube et bienvenue pour la suite. Pour la suite de ces sessions Era de ses morts sur Mario Bros 1. Sur Mario Bros 1, la dernière fois, on a refait le jeu deux fois, vite fait, histoire de se refaire aux commandes. On a fait beaucoup de Era au passage. Et donc maintenant, on va faire des petits trucs. Re-YouTube. On va s'amuser. On va aller au monde 5. On va aller au monde 5. Et on va tenter d'avoir notre vie. Pas comme ça. Où est cette vie? Comment on a cette vie? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'aurais pu. Je recommence. Je recommence. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vie? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vie? Est-ce que le fait que je fasse ça va alimenter mon combo plus vite. Ah, mais c'est ça! Oh, d'accord. Donc, ça veut dire que l'astuce de m'éloigner n'est pas une bonne. Parce qu'en fait, ça, je garde. J'ai plus de. Eh ouais! Eh ouais, j'ai plus de... J'ai plus de points d'un coup, bien évidemment. Évidemment. Ok. Bah, c'est fait. Donc voilà, un ERA au bout de. Même pas une minute. Alors, si ça, c'est pas efficace, je sais pas ce que. Ah, on peut pas. Quoi? Pourquoi là je me suis pas fait une? Ça marche qu'une seule fois? Jeu de merde. Donc ici l'objectif, pourquoi je fais le monde 5? Il n'y a aucun intérêt à le faire, hein, sauf pour ça. C'est que en fait, en faisant ce monde-là. Hein? Attends. Ça veut dire que si je vais. Je vais d'abord une idée horrible. Je vais d'avoir une idée horrible. Je vais d'avoir une idée horrible. C'est-à-dire que si je vais en me téléportant au monde 6. Quoi? J'ai rebondi dessus, bien évidemment que j'ai rebondi dessus. C'est-à-dire que si je vais au monde 6. Attendez, attendez, ça veut dire que si d'entrée je vais au monde 6. C'est-à-dire que si d'entrée je vais au monde 6. D'entrée je vais au monde 6. Est-ce que je vais avoir le one-up qui va apparaître? Parce que si jamais c'est ça, et qu'on peut arnaquer les ressources pour se faire des. Pour les vies cachées avec ça, alors j'ai envie de dire que c'est le meilleur jeu du monde. Ça me donne pas de RA. Ça me donne pas de RA. Ça ne donne pas, ça ne donne pas de RA. Ça ne donne pas de RA. J'avais une astuce. Bon, moi, on est sur clavier, là. Hein. Est-ce qu'il précise ça dans votre machin? Putain, je les ai sautés. Bah voilà, je les ai sautés, les RA. C'est mort. Mais ils sont où? Sont où les RA des vies cachées, mon dieu? Ah, mais ils sont là. Quand ils donnent. Ah, fais chier. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que je vais me faire enculer? Est-ce que je vais me faire enculer si je démarre pas du début le jeu? Oh, parce que s'il faut pas démarrer, s'il faut démarrer du début le jeu, là le jeu devient passe de sympa à nul. Ce gars qui fait des jugements à la vitesse de l'éclair. Ouais, du coup, ça m'a découragé. Faudrait que je le teste sur un monde moins dur. On va le tester sur le monde 2. Ça va être moins chiant. Monde 2, il va être moins chiant. On va essayer de le faire en pacifiste aussi. On va essayer de ne tuer personne. Et de ne jamais devenir Mario de feu. Même s'il est pacifiste, j'aimerais bien le réserver pour une seule vidéo. Mais on va juste le voir. C'est pour tâter. C'est pour tâter. Tâter, tonter, tatiloter, tatou. Juste pour ça. Ou pour tester. Non, en plus, je suis en paramètre de seconde quête, quoi. Donc, ça veut dire que. Attends, est-ce qu'il faut tuer. Est-ce que ça dit qu'il faut pas tuer d'ennemis? Ou bien ne pas sauter sur des ennemis? Parce que les choses sont. C'est différent. Parce que ne pas sauter sur les ennemis, c'est plus chiant. Je vais regarder pour la dixième. Pour la 10 000e fois. Même mon machin de RA. Arming enemies.
Ouais, je pense du coup qu'il faut pas sauter dessus. Je pense qu'il faut pas sauter dessus. Ah ouais, il y avait le monde 1 sans prendre de pièces aussi. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils ont pas fait pour tous les mondes ça. Faire les mondes sans prendre de pièces. Parce que le 1 n'est pas le plus facile à faire. Sans prendre de pièces, ni plus dur d'ailleurs. Parce que le 1-3 fait chier pour les pièces. Croyez-moi qu'il fait chier. De Evo. C'est quoi Evo? Mais pourquoi je prends pas les pièces du coup? La Brutix. Je me suis dit, ah, y a un truc pour pas prendre les pièces dans le monde 1. Ah, je vais pas les prendre dans le monde 2 non plus. Je dis, c'est dommage qu'ils l'ont pas fait pour les autres mondes. Dit-il en ne prenant pas les pièces du monde 2 tel un cave. Je m'en peux plus de ce mec. Oh pitié, mais cassez-vous. Portez votre masque et foutez-moi la paix. L'évolution d'un poisson jusqu'à l'humain. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, ça, Lady. C'est peu que je le connaisse. Ça me dit quelque chose, ce principe. Évolution d'un poisson jusqu'à être humain, ça me dit quelque chose. Evo. Que je regarde. J'ai quand même l'impression d'avoir genre entendu ce nom quelque part, Lady. Ah, si, avait débuté, il y a peut-être 2 mois. Ah, peut-être que c'est ça. Pourquoi? Pourquoi il y a des ennemis? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est parce qu'on est en deuxième quête. J'ai envie de me pendre. Si. On est en deuxième quête, donc il y a des ennemis. Il y a des ennemis, voilà. Ce n'est pas, il n'est pas 20h, bah voilà. Il n'est pas 20h, voilà ce qui se passe. Quand ce n'est pas un nightwalk, tranquille. Putain, les ennemis se font retourner. Ah mais ils me disent de pas prendre de... Vas-y, vas-y, Mario. Ah bah, j'ai tué quelqu'un. Et j'ai même pas pris la pièce. J'ai envie de reset. Mais je peux pas reset parce que sinon je vais plus pouvoir voyager dans les mondes. Quoique voyager dans les mondes, ça a l'air d'être de la bite, finalement. Parce qu'on est en seconde quête. Tout va bien. J'ai pas traversé la moitié. Vite. Bon, j'ai tué quelqu'un, du coup. Tu as un poisson de merde. Voilà ce qui s'est passé. Tu as un poisson de merde. Attendez. Comment ça, c'est quoi cette vitesse du surhumain pour revenir à la vie? Pourquoi vous revenez si vite à la vie? Je sais que vous êtes des parisiens, mais quand même. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Bon, c'est pas ça qui me donne le MRA. RIP. Prendre toutes les pièces de stage de mort. Un peu la déprime, mais tout. Mais ouais, mais bien sûr, j'ai appuyé sur le bouton 10 000 fois, connard. Au secours. Ah, ça, c'est bien. C'est le sel du rétro, ça. Zelda rétro. Oh, un petit jeu rétro. L'amour. Ce n'est que de l'amour. Ce n'est que de l'amour, bien sûr. Rassurez-vous, ce n'est que de l'amour. Bon, la vie a intérêt à apparaître. Le chocolat salé de Belgique. Est-ce qu'il était bon mon chocolat de Belgique d'ailleurs, Lady? Est-ce qu'il était bon? Je pense que tu m'avais dit oui. Hein. Mais est-ce qu'il était différent du québécois? Avais-tu senti la différence? La qualité supérieure? Oui, mon chocolat chaud. Je parle de mon chocolat chaud. Est-ce qu'il était extraordinaire? Ou bien est-ce qu'il était ordinaire? Bon, allez, la vie. Il était excellent. Ah, avec du choco. Ah, ok. Un peu déçu quand même. Yes, ça marche. Allez, hop, la mort. Attendez. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a Select State? Non. Ne Select State pas. Ne Select State pas. Tu es un hardcore. Tout va bien. Tout va bien. Je veux. Ah, mais il y a le 3-1, oui, c'est vrai, je pourrais me faire les vies infinies. Je pourrais me faire les vies infinies, je pourrais tenter le glitch. Le glitch de sa mort. Le glitch de sa mère. Le glitch d'Arnaud de sa mère, même. Il y a quel monde que je dois faire? C'est 6 et 7, c'est tout. C'est tout. J'ai géré. Les fireballs, j'ai géré, franchement.
Pas à chier, j'ai géré les fireballs. Salut ABG, comment tu vas? Sur Super Mario 1, parce qu'on aime ça, on fait des A. On a 46. Ça va bien, ça va bien. Tranquille. Toi. Un petit peu sur les nerfs là, parce que bon, les RA. Mario 1. Voilà quoi. Mais bon, survie. Il est 22h, ouais, il est 22h. Bien sûr. Bon matin. D'ailleurs, bon matin à BG, oui, bah oui. Bon matin, il est 22h, bon matin. Bon matin. Il est mort à retardement. On a vu un truc d'ennemis qui était mort, mais pas trop. Sur le cul. Regardez, followers. Oh non! C'était pas grave. C'est pas grave. On va tenter ce glitch de merde. On va la voir, ce glitch à la con, là. On va la voir. Alors, il paraît qu'il y a une manip pour avoir des... Il paraît qu'il y a une manip pour avoir des continues. Si quelqu'un est au courant de la manip, je suis intéressé. Parce que j'ai vu que dans le truc de faire le jeu sans warp, il y a un truc de no continue code. Ça veut dire qu'il y a un code pour faire des continues, et que je savais pas. C'est comme Alex Kidd, faut appuyer vers le haut et appuyer sur B 8 fois. Il est 22h01. Exactement. Extraordinaire. Je regarde ma montre à ce même moment. Tiens, je fais des vies à l'infini comme ça. Ouh. Alors j'aimerais bien aussi avoir un parabitel quand il est dans les airs. Surtout qu'en deuxième quête, c'est super bon pour faire ce plan-là. Voilà, j'avais envie de faire ça. Donc s'il y a un moment, un parabitel qui est dans les airs, vous connaissez dans le jeu, sûrement dans les cavernes hein, qu'on peut avoir ça. Ça m'intéresse. Putain, ça va le gangbang ou bien le gangbang? Ouais, mais c'est des parisiens. Comment on fait? J'ai plus. J'ai tout oublié. Comment on fait? J'ai pas envie de regarder ma caverne de secret. Comment on fait ce glitch de mort? ABG, toi tu connais? Comment on fait pour faire ça, là, les vies infinies? Avec ces conneries? Comment je fais? Mais... Comment je fais ce glitch? Comment je fais ce glitch? C'est pas ça. PTDR, exactement. T'es qui? T'es qui, hein? N'oublie pas, on n'oublie pas. On n'oublie pas. Grand Mario, me semble. Faut être Grand Mario. Déjà un bon signe. Attends, je vais faire un truc. Bon, j'ai pas le choix. Regardez la carte secret. Ça va me faire chier. Deux frames, ça me fait chier. C'est où? C'est où? Oh, je l'ai pas sur ce PC là. Je l'ai pas sur ce PC là. Oh, je l'ai pas sur ce PC là. Bon, dans un sens, c'est pas plus mal. Dans un sens, c'est pas plus mal. Oh, je l'ai pas. Oh, au secours. Bon bah on va aller sur YouTube. On va aller sur YouTube si vous le voulez bien. Et on va chercher. On va chercher Mario Bros 1 Infinite Life. Voilà, Infinite Life, c'est parfait. Donc, original Infinite Life Turtle Tipping. Donc... Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud YouTube? Est-ce que vous êtes frais? Ah bah d'accord. Je m'étais ambiancé, mais pour de la merde. C'est dégueulasse. Ce désentrelacement à peine respecté. Donc là, il est ici. Il est grand, en effet, ABG. Il saute sur la carapace. En faisant un demi-tour, il arrive sur la marche supérieure. Ici, il redescend. Bon, finalement, ça ne sert à rien.
Il se met à peu près où j'étais. Il saute. D'accord, il saute pour se mettre ici. Et là, il saute et il maintient 1. Ça a l'air simple. C'est facile. Très facile, j'ai tout compris. J'ai tout analysé avec ma capacité légendaire d'apprentissage, bien évidemment, digne de Mister MV. J'ai tout analysé, j'ai tout compris. Vous allez voir. Vous allez voir, on ne plaisante pas ici. Oh, on est sérieux. Chez Zelda, on est sérieux. On est sérieux chez Zelda. Nouvelle année, là, 2021, là, c'est fini de rire. Fini de rire. Fini de rire. Regardez, ça, c'est pour faire genre, là, du spectacle. C'est l'entertainment. Là, on arrête de rire. Oh, j'ai fait un double saut. GG. C'est bon, là, on arrête de rire. Là, c'est parti. Donc, je fais ça. Là, j'arrive ici. Là, je fais ça. Voilà, vous avez vu, c'est extraordinaire. Il veut pas mourir. Voilà. Au secours! Je voulais sauter. Je voulais sauter par-dessus. Aidez-moi. Fini de rire. Et là, tu vas pas sauter, hein, cat, hein. Pardon. Je suis désolé pour ma grossièreté. On peut le faire aussi avec un parabitel, je pense. Mais qui a mis des erreurs qui consistent à faire des glitches aussi, alors qu'on me supprime mon Chrysoulian Room Oh! Oh! Le doublé! J'ai doublement raté. Extraordinaire. J'avais deux chances. J'ai tout niqué. J'en ai marre. Aidez-moi. Tout va très bien se passer. Oh! Pardon. Ah! Je vais avoir une crise cardiaque un jour. Je vais vraiment avoir une crise là, vous allez voir. Je dis à Flick de se calmer quand il joue, mais je suis pas mieux. Je suis vraiment pas mieux. Donc il arrive ici. Oh connard! Suce mes pieds. Voilà. Comme dirait le joueur du bon. Okay. Il fallait que j'aille plus contre. Oui, qu'est-ce qui se passe, Lady? Il manque 14 points. 14 points pour. Pourquoi? Pour battre AD? Je sais pas si j'ai battu AD encore. Parce qu'en fait, la raison ABG pour laquelle je fais ça, c'est... ça. 639... Oh oui! C'est ça! C'est ça! Exactement, ABG a tout compris. ABG, j'ai même pas besoin de lui expliquer les bails. QUOI?! Dans quel univers? Dans quel univers? Il me touche ici. Dans quel univers? Non mais j'ai déjà eu des bugs ABG, enfin des bugs, des simili-bugs, on va pas dire des bugs, sinon Skull il va arriver là, à la folie. En trombe. Mais j'ai eu des trucs de freeze à cause d'un trampoline qui disparaissait, et j'ai eu un truc de frère marteau que j'ai tué, mais il a quand même lancé son marteau, il m'a tué. Alors qu'il était mort. J'en ai marre de ma... Ça aussi c'était pas mal, j'ai putain... J'ai sauté sur la carapace, elle a été téléportée. Elle a avancé de deux carrés, comme ça. Paf! Ah, c'est violent. Ah, c'est bien ça. Je vais péter un câble. I'm gonna pet a cable. I'm gonna pet a cable. 2 secondes. C'était ce trampoline-là, en plus. Il avait disparu, j'ai sauté dessus. Et il m'a fait freeze. Il m'a fait littéralement freeze. J'étais dans les airs et je pouvais plus bouger. Je pouvais plus rien faire.
C'est extraordinaire. Mais je le clipperai ça. Il a aidé à clipper la mort, si jamais. La mort inattendue. Mais je me saute sur les coups. Voilà, c'est ça. Exactement. Exactement, Lady. C'est de la merde, ce jeu, un petit peu, quand même. Faut le dire. Ce jeu, c'est de la merde. C'est un petit peu de la merde, quand même. C'est de la merde, ce jeu. Mais il faut être Super Mario, aussi. Il y a un peu d'esprit. Comment ça, t'es croqué 350 pièces? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi ça me consolerait, déjà? Ce serait terrible. C'est tout à fait terrible. Que s'est-il passé? Raconte-nous tout, ABG. D'accord. Faut être Super Mario, faut être Super Mario, intelligence, QI. QI, QI. Pas mal. PayPal s'est fait... Ah! Ah! Ah, c'est terrible! Mon dieu, tu vas me faire... Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Tranquille, j'ai tout bloqué. Ah, ok. Ouf. Et t'as eu genre un truc d'alerte. Une alerte rouge. Pour dire que tout était bloqué. Connard. Enculé. Faire attention que je fasse attention. Enfin, il va falloir que je fasse attention. Que je fasse attention à ne pas me faire, escroquer aussi. Mes 3 dollars sur PayPal. J'y tiens. Mes 3 dollars d'ABG là, j'y tire. Stonks. Connaissez-vous Stonks Industries? Est-ce que vous connaissez ça? Il se prénomme Hey Pierre. Il a le Minecraft qui tue. Mais moi, je suis en première. Mais putain! Qu'est-ce qui se passe? Tant de haine de la part d'ABG. Ça va, Lady? By the way, vous êtes toujours là, vous êtes là, vous allez bien, vous survivez à ce stream? Extraordinaire. J'attends le raid de Flicky. Hein. Oui, oui, toi, Lady, oui, bien sûr. Il n'y a qu'une seule Lady Dinosaur ici. Tu joues en même temps. Ouais, tu joues à Evo. Parfait. Parfait, parfait. Tout va bien alors. Je suis rassuré. Fais le pacifiste devant 1. Oh, c'est bon, attendez. Attendez, calmez-vous. Calmez-vous. C'est facile. Oh, c'est facile. C'est très facile. J'essaye d'abord de faire ce glitch de... Ce glitch de merde. Mais les pacifistes, on va en faire une partie spéciale, je pense, à BG. Peut-être pas aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'il est déjà 22h13. Hélas. J'aimerais pas stream non plus à l'infini, car je ne suis pas tout seul. Et donc, il y a des gens qui dorment. Et c'est fatigant, hein. Vivement le jour où j'ai mon appart tout seul, d'ailleurs, on va le dire. Mais ça, pour l'instant, un petit secret. Voilà. Pourquoi j'ai repris la fleur? Aucune idée. Aucune idée, débilement. Débilement, quoi. Ok. Donc, ce coup-ci, quand elle va se réveiller, je... Mais... Ouais, aucune personne que ça dérangera pas. C'est vrai, Lady. C'est tout à fait vrai. Je me demande ce que Lady veut sous-entendre par là. Je ne sais pas du tout ce qu'elle veut dire. Ou bien une personne qui est aussi insomniaque que moi, hein. Wink wink. Mais j'en ai marre de ma vie. Tu sais pas faire de clin d'œil, Lady? C'est triste. Donc tu pourrais pas wink at you, quoi. Putain, mais j'en ai marre, ce glitch, c'est de la merde. C'est de la grosse bite. C'est de la grosse bite. Ce glitch, ça ne marche pas, monsieur. Comment j'ai pu faire mes cavernes secrets là-dessus à l'époque? Comment j'ai fait pour faire ces cochonneries?
Seulement j'avais le lien de la carte secret. Ah là 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 là. Mais putain, mais j'en ai marre. J'en ai marre de ma vie, j'en ai officiellement marre. Pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce que je peux pas me déco de YouTube ou bien rajouter un compte? Oh, comment ça marche? Comment ça marche YouTube? YouTube, c'est de la merde. Ajouter un compte. Comment on fait? Donc je vais mettre Entang Games. Le mot de passe de la mort. C'est ça, hein, j'espère. J'espère que c'est ça. C'est ce mot de passe-là. Protégez votre compte. Google peut des informations. Numéro de téléphone, adresse mail. Ouais. Ça, c'est bon. On est sur Entang Games. Extraordinaire. Donc, YouTube Studio. Contenu. Extraordinaire. La caverne secrète. La caverne secrète. Spyro, Year of the Dragon. Caverne secrète Spyro Mario Bros 2. Excellent, on va bientôt y arriver. Caverne secrète. Ta merde, liste de lecture. Écoute, me fais pas chier. La caverne secrète sur série Super Mario Bros. Voilà, extraordinaire. Tout ce qu'il faut ici. J'avais bien fait ça quand même. Hein. Vie infinie. Vie infinie. Par pitié. Par pitié. Et je vais même vous donner l'honneur de voir une capture de fenêtre qui ne marche pas. C'est pas accéléré de sensualité, c'est la caverne secrète sur Mario. Voilà. Voilà donc le turfu. Bon. Évidemment, si YouTube n'avait pas fait un fond qui soit de la même couleur, hein, ça aurait été peut-être un peu plus pratique pour pas faire chier les gens. Alors, voyons voir. Vous me direz si le son est trop fort. Utilité, bof. Par contre, ça dure 14 minutes, donc j'en ai marre. Alors, voyons voir les étapes. Allez à l'escalier de fin de niveau. Chassez la première tortue. Sautez sur la deuxième de sorte que sa carapace soit un peu sur le rebord d'une marche. Sautez légèrement de sorte d'être contre la marche. En dessous de celle de la carapace. Contre, d'accord. Sautez sans toucher aux directions et rebondir sur la carapace qui fera des allers-retours, faisant ainsi monter le score et les vies données. Et le score! Du coup, on peut se faire le million comme ça. Extraordinaire. Ça marche comment? Alors je mets toujours pause parce que tout s'enchaîne très rapidement finalement dans ce bug. Donc Ouais, faut mais je faire veux la version rapide. ça y est, les Non. vies viennent. Mais non, il n'y a pas le Voilà, alors score. ça dure pas à l'infini. Ah oui, mais il y a le Mais du score coup ça vous ici quand permet tu fais d'avoir un 8000. paquet de vie à chaque fois. Enfin, en fait ça. Oh, je pourrais avoir le million comme ça. Technique de la fourbasse. Ok, montre-moi la version rapide. Montre-moi la version rapide. Maintenant, c'est le début que j'arrive plus à faire, hallucinant. Ah, je rate. T'es la mauvaise. Non, pas comme ça. Ça, c'est dégueulasse, ça va jamais. À moins qu'un miracle. On met ça là. Ah, c'est un peu trop. C'est pas assez contre ça. Je connaissais quand même mon machin. Bon, c'est contre. Ouais, c'est pas assez contre. D'accord. Ah, il y a une importance quand même. Faut prendre le coup de main. Ça a l'air d'être de la merde quand même un petit peu Ouf! ton machin. Ça, c'est pas assez contre. Montre-moi ça. Ouais, c'est pas assez contre. Ok, voyons voir. Pouf! Là c'est pas mal. Donc là on saute de sorte à faire ça, voilà, et là hop! Vous pouvez ainsi enchaîner. Alors faut prendre le coup de main. Je vous conseille quand même de le faire si vous avez un émulateur avec save state avant pour vous entraîner. Parce que Lol. en jeu comme ça, bah, si vous ratez, vous devez mourir et revenir ici. Et c'est peut-être un peu long à force. Ouais, on a remarqué que c'était pénible. Vous avez dû passer. Merci. Donc voilà. Les vies infinies de Mario Bros 1. Extraordinaire. Bon, merci beaucoup, mon moi du passé. Tu vas pouvoir
t'en aller. Faut s'en aller. Bon. Parfait. Parfait, parfait. Bon, bah, on a regardé une vidéo. Ouais, c'est mes vidéos d'avant, Lady. Tu te souviens, chez Flicky, j'avais dit que je faisais des vidéos sur des glitches. Bah, c'est ça. Tout un peu gênant. Un petit peu cringe, mais étrangement ça marchait beaucoup, ça a fait beaucoup de vues à l'époque. Beaucoup de vues parce que le pogue n'existait pas. Une limite nostalgique de cette époque où dès qu'une vidéo sortait on avait genre 40 vues d'entrée. Extraordinaire. Le truc c'est qu'elles vont vite vu qu'on est en deuxième quête de ces morts. D'habitude elles sont plus lentes, donc là j'ai moins le temps. Mais si jamais... On peut faire... Ah d'accord. Bah écoute, fais le pacifiste et fais-le sans prendre de pièces. Ça va te rendre ta vie intéressante. Bah, le faire sans prendre de pièces. On va passer par là pour le faire. Je t'apprends. Je t'apprends le jeu. On est obligé de se taper la deuxième quête à chaque fois. Ça a l'air d'être chiant quand même. Donc vous voulez dire qu'on va juste passer aujourd'hui à faire un glitch. Ça craint un petit peu quand même, ça craint du boudin comme on dirait, lol MDR. PTDR c'est qui? Le truc du glitch, limite je devrais le faire en off. Mais vous me connaissez, moi je suis un tryharder. Comme ça en plus il y aura un titre sur la vidéo. Ce sera le glitch infernal. En tout cas, si jamais vous voulez discuter de tout et n'importe quoi, ce live est un jeu chatting. Voilà. Ce live est... Prends surtout pas la vie. Ne prends surtout pas la vie. Hein. Il y avait limite le point qui transperçait le champignon, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Hein. Faut croire que se faire fister ne suffit pas à avoir une vie. Méditez sur cette phrase. Méditez très fort sur cette phrase. On chasse la première tortue. Ah, c'est mauvais, ça. Assez mauvais ça. Mais je commence, maintenant que j'ai écouté mon moi du passé, je comprends. Je ne fais plus qu'un avec le jeu. J'ai compris. Je suis en phase avec mon moi du passé. Là j'ai compris ce que mon moi du passé veut dire. J'ai tout à fait compris le sens de ces paroles. D'accord. En phase. Par contre, je suis pas en phase avec le frère marteau. Ça, c'est un petit peu impossible. Reste de la merde, quoi qu'il arrive. D'accord. Je vais devenir fou. C'est un petit peu le jeu qui rend fou. Hein. Ouais, mon moi du passé m'a dit fais des safe stay dessus. Ouais, mais. Oh, ça c'est pas dégueulasse. Mais c'est pas assez contre. Je déteste ma vie. Je déteste ma vie. Faire une safe state. C'est pas intéressant. Puis en plus, si je fais une safe state, toute ma partie est corrompue et dégueulasse. Parce qu'il me semble que quand je... Allô? Ah! C'est le sort PLS qui a fait ça? What the hell? Comment? D'accord. Apparemment, une emote animée, le emotoile n'aime pas. Il n'aime pas ça, le emotoile. Oh, merci, Lady. Attention au set dans les plaies, ah, bien sûr. Attention au Zeldans test place. Merci, Hans. Parce qu'il s'appelle Hans, vraiment, le robot. C'est un Allemand. J'ai mis un bot allemand pour les beats. Non! Oui, je le sais, mais je l'ai fait exprès. J'ai mis un allemand, j'ai mis une française et un français. L'allemand, c'est mon plaisir. J'ai eu totalement confiance en mes capacités dans ce qui s'est passé. Non! J'en ai marre de ma vie! Putain, ce glitch, comment ça peut être aussi dur à faire? Réussir en 10h45 ou... Ah, excellent, excellent.
Ça me va, ça me va. J'accepte le challenge. J'accepte le challenge. Il faut battre AD, il faut battre AD, là. Il faut battre AD. Non ! Est-ce qu'il faut vraiment être Mario de Mario Grand ? J'en ai aucune idée. Ma vidéo ne le précise pas. Donc je pense pas que ce soit vraiment la peine. Peut-être que si. Aïe 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 aïe, j'en ai marre de ma vie. Si si, pour la hitbox. Ouais ouais, c'est ce que je me dis pour le rebond après. Ah, attention, il y a des prédictions. Début des prédictions, attention, attention, vous pouvez gagner des Zelda points si vous ne vous plantez pas sur la prédiction. On va réussir le glitch des vies à soir. Oui, j'ai froid en Zelda. Non, Zelda Overwatch Kit. Vous avez 2 minutes, je pense, pour répondre, mais c'est pas ce trail là en tout cas, le bon. Croyez en Zelda, ça c'est beau. C'est des retro points. Non, c'est des Zelda points. Zelda points. Pas des rétro points. D'ailleurs, j'ai toujours voulu changer leur sprite, mais j'ai jamais su. Sur Twitch, il m'a toujours fait une erreur quand je voulais changer. Je voulais mettre une pièce rouge à la Mario, mais ça n'a jamais marché. C'est de la merde. Pas mal, ça. J'aurais pu faire le RA de faire cogner les carapaces en faisant ça. Ça aurait été ridicule. Ah, vous croyez en Zelda, hein, ça c'est beau. Ça c'est beau de voir que vous croyez en Zelda quand même. Allez-y, dépêchez-vous, il vous reste... Quoi ça... Pourquoi? Pourquoi la vie n'apparaît plus? Qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde? On brainstormera. Sur quoi? Sur la gueule des points? Oh mais Zelda points, ça me va très bien. C'est pour les points! Les points! Les Zelda points! Pour Link, c'est un délire qu'on a avec lui. Les Zelda points! Les Zelda points! Oh! Allez, allez. Allez. Non! Ah! Ah, merci Lady. Le problème, c'est que je vais peut-être pas le faire ce soir. Parce que ce soir, il y a du monde. Enfin, il y a du monde. Les gens dorment. Et chanter pendant que les gens dorment, tu sais que c'est compliqué. Mais je le ferai peut-être au prochain stream, ou bien je le record et le mettre en... Un jour soon, voilà. Putain, mais j'en ai marre. Je ne comprends pas ce glitch. Je ne comprends vraiment pas ce glitch. Je ne comprends 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 pas. La folie l'emporte. Et tu crois en moi, BG? Bah voyons donc. Quelle mouche l'a piqué. Le pire, c'est que ce niveau est méga court. Vous avez vu à quel point il est court. Regardez, il est déjà fini. C'est la merde. La merde. Vous connaissez la JDG la revanche? Bah voilà, c'est un petit peu le même état en ce moment. Très satisfait. Ce serait parfait pour faire des montages, n'empêche. Hein, mais moi, je fais pas de montage, je suis un gros flemmard de la vie. D'ailleurs, Lady, tu auras montré comment on fait pour faire des montages avec les temps forts. Apparemment, tu m'as dit qu'on pouvait faire ça. Et je ne te crois pas. Donc, prouve-moi que je me trompe. Suce mes pieds, petit connard de merde. Va bien les sucer, les sucer. Ça rappelle ma boîte. La boîte. Boîte. Quelle boîte? Ma boîte. Ah oui, d'accord, d'accord. J'ai compris. Le gars. Ça passe, ça trappe. Oui, 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 j'ai compris, ABG. Il y a eu un décalage, mais j'ai compris. Et
aidez-moi. Seigneur, s'il vous plaît, sortez-moi absolument de cet enfer. Court et intense. Ah, Lady, elle connaît ça. Elle connaît ça quand c'est court et intense. Oh! Mais save state, non, je ne save staterai pas, ça va foutre toute la merde après. Juste court et mort. Après, refinir le jeu pour choisir mes mondes après, alors avec les warps, ça fait quoi? Ça dure 10-15 minutes, mais ça me fait chier. La zone du passé est plus skillée, oui, mais il était plus con aussi. Ça, c'est incroyable, et entre la connerie et le skill, je choisis le skill. Je choisis la non-connerie. Évidemment. Merde. Il y avait un sous... Merde. Et merde, j'ai sous-entendu quelque chose. Il y a eu un lapsus révélateur. Oh, putain. Tu es un connard. Voilà, maintenant je suis un connard. Avant j'étais juste con, maintenant je suis connard. Différent. Ça va aller à tour. Ça va aller le PC. Je suis désolé, la tour, je sais que c'est un peu compliqué. Quoique non, en fait, tu as l'air de te porter très bien. Je dis que c'est compliqué pour la tour. Combien de pourcents de CPU? Je vais vous le dire. 26%. 26% de CPU, on tourne en 60 FPS. Un jeu NES. Oui, mais quand même. Mon ancien PC aurait été à 70. Ouais. J'en ai marre de... Oh, j'ai appuyé sur Caps Lock sans le vouloir, hein, je suis désolé. Faudrait pas casser ce clavier à 40 pièces. En plus, il est tout beau, il est tout brillant. Il fait de la lumière, il est trop génial. Faudrait pas le casser. J'ai pas envie de le casser. La manette non plus, elle est tellement belle, la manette. J'ai rien cassé. Ouais. Bon, l'heure est grave. C'est pas mal. Écoutez, vous savez quoi? Si jamais j'en ai marre de ma vie, je loaderai cette safe state. Mais je pense pas que la carapace soit assez contre. Anyway. C'est de la merde tes vidéos Zelda en temps games là, ça marche même pas ce que tu montres. Franchement là, c'est en temps games là, si quelqu'un peut me le retrouver là, ça marche même pas ces vidéos. Je suis sûr qu'il triche. Je suis sûr qu'il fait des triches ou quoi, c'est des edits de ROM. Je suis sûr que ça marche même pas en fait. Oui. Pourquoi? Pourquoi ma vie? Pourquoi? Faut que j'appuie à chaque fois? Oui! Mais j'avais pas souvenir qu'il fallait farmer le bouton à chaque fois. Donc que je regarde. Donc là je passe. Je passe de 88. À 113. C'est énorme. Mais on va y prendre 10 ans. Surtout si... Arrête! Comment je le fais arrêter? Ouais, non, pour avoir le million, ça va être très compliqué. Avoir le million, ça va être très compliqué. À moins que je fasse ça et que je mine comme un gros bâtard. Non mais arrête.
Il n'y a pas une façon de le faire arrêter, vraiment, j'ai l'impression. Là, j'essaie de voir si je peux avoir le minion comme ça, mais je pense que le minion, on va juste le laisser tomber. Si encore ça montait les... Arrête, arrête. Une fois que c'est fait, par contre, ça a l'air d'être bien dans... dans le machin. Ouais, non, c'est de la main. On va juste mourir, on va juste mourir, c'est bien. On a réussi. On a réussi, je suis heureux. On a réussi. Ah oui, mais du coup, je vais jamais pouvoir crever. J'aurais pu me faire le million quand même. Parce que j'avais juste à faire le glitch. À chaque fois. Parce que forcément, le but de ce glitch, c'est de faire des vies. Et moi, je me disais, mais j'ai qu'une vie. Donc, je vais mourir. Quoi qu'il arrive. Donc je vais mourir, je vais game over. Mais le truc du glitch, c'est qu'on fait des vies. Le truc du glitch, c'est de faire des vies en fait. Je t'explique le but, Zelda, de ce glitch. C'est pas pour faire un ERA, c'est pour avoir des vies. Du coup, t'aurais pu juste miner à l'infini ce glitch. T'aurais pu rater, c'est pas grave. Le time aurait pu se retourner contre toi. Tu aurais pu réussir. Mais maintenant j'ai compris. J'ai compris ce que mon moi du passé veut dire. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Regardez maintenant, c'est garanti, c'est les doigts dans le nez. De toute façon, je peux mourir, c'est pas très grave. Je peux mourir à l'infini. Donc mon but, ça va être de faire des stages. À moins que je fasse un stage avec le 3-2. Il est full de machins que tu peux enchaîner. Aussi avec des carapaces. Est-ce qu'on pourrait pas se faire plein de points avec ça? Si on faisait le million... Je réfléchis trop, mon cerveau est en train de brûler. La hitbox va bugger, la hitbox c'est de la merde, ma bite dans un cornet. Le lac des vies. Ah ouais, t'as vu, les vies là ne le supportent plus. Hein. Bon, on va faire ce glitch à l'infini, c'est le plan de cette vidéo. C'est de refaire le glitch pour avoir le million de points. J'espère que vous aimez cette vidéo YouTube. Hein. Ma bite rentre dans un cornet? Non. Non, elle ne rentre pas dans un cornet. C'est une expression de MV. Sacré Mister MV. On le connaît, le vieux monsieur. Il a des bons bails. Putain, mais c'est pas possible. En fait, le truc le plus dur, c'est de réussir ce premier saut. Une fois que tu as ce premier saut, c'est facile. Mon cul sur la commode et la vie dans un cornet. Exactement, Lady. Tu as tout compris. Mais tu as vu, Mister MV, il est trop classe. Avec son intro et tout, il décoiffe. Trop classe, son intro, nouvelle intro là de MV, je sais pas, BG, si t'as vu les streams de MV récemment, il a fait une nouvelle intro pour ses streams. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire, son intro est incroyable. Elle est incroyable, elle est longue, mais elle est belle. On parle bien de l'intro de MV. Hein. D'accord. J'arrive même à vous dire. Bah tu regarderas une rediff YouTube, celle de Super Meat Boy où il commence les Warp Zone, c'est là que je l'ai vue, genre hier. Et voilà, elle était là. Alors mine de rien, de réessayer de faire ça 10 000 fois, ça donne des points. En voulant être con... Tu la regarderas, tu m'en donneras des nouvelles. Il faudrait juste que j'arrive à refaire ce glitch. Après, le time-up m'aurait eu, j'aurais pas eu le million aussi, un spoil, mais voilà, quoi. Ça aussi, faire ça à chaque fois, ça donne des points. Hein. Ça donne genre 2000, bon, c'est pas beaucoup, mais voilà, ça a le mérite d'exister. Ah non, c'est pas assez, je pense que c'est trop dedans, ça. Ouais, la merde. Merci, Lady. Encouragez-moi. Le Genki-Dama, bien sûr. Hein. Le Genki-Dama. J'aurais tellement pu faire le jeu sans crever aussi. Mais bon, c'est passé. Alors ça... Alors ça... Mais ces ennemis ont vraiment pas le temps. Ils se réveillent plus vite. Le time va plus vite aussi, j'ai l'impression. Ou bien je dis de la merde. Ils se réveillent plus vite, ils vont plus vite, c'est des Parisiens. C'est Paris. C'est Paris, c'est ce que j'ai dit, c'est Paris. Ils sont pressés, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Voilà, c'est Paris. On n'est pas sorti de l'auberge, exactement. Hein. Ah là là, ça a été purement un miracle d'aller avoir ce glitch. Hein. Oh, pas mauvais. Pas mauvais.
Pas mauvais. Annulé. Annulé. On va y arriver. On va avoir le million. On va avoir le million. C'est le plan de cette vidéo. Le plan de cette vidéo, c'est d'avoir le million. Annulé. C'est bon. En fait, quand je maintiens le bouton A enfoncé, ça annule étrangement. Je sais pas pourquoi. Hein. Allez, c'est beau. Allez, c'est beau. Annulé. Annulé. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais bordel de merde, qu'est-ce qui m'est arrivé? Putain de merde, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il m'est arrivé? Heureusement qu'on fait... Mais j'avais 10 millions de vies. Mais j'avais 10 millions de vues. Mais j'avais fait le glitch des vies. Mais pour comment? Comment j'ai pu game over? J'avais vie. J'avais des vies infinies. C'est le principe de ce glitch de merde. Ou bien quand tu fais time up trop souvent, le jeu en a marre et dit game over ta gueule. Ou bien vu que j'ai trop fait les vies, j'ai une valeur négative et du coup ça m'a fait game over. J'ai pas compris. Oui, le glitch a marché, hein, Lady, j'ai réussi à le faire. Hein. De toute façon, j'ai réussi à le faire. Regarde, j'ai le R1. Je l'ai, hein, je l'ai. Il est quelque part là, là. Je vais le trouver, vous allez voir. Il est là, voilà, je l'ai eu. Je l'ai eu. Voilà, c'était ce qu'il fallait. Donc, oui, c'est réussi. C'est réussi, bien évidemment, bien évidemment. Il est pas 45 encore, donc voilà, tout va bien. En plus, j'irai pas au goulag. Qu'est-ce que je veux faire, moi? Ah oui, je veux faire les Firemen. Je veux faire les Fireman. Je veux l'avoir avec les boules de feu, moi, ce con. Il n'y a pas un truc de pole dancing aussi à avoir? Pas moyen de faire une expérience ici. Pas une liane quelque part. Pas une liane. Une liane. Oh ouais. Oh. Ah bah voilà. Un Kaizo bloc. Donc c'est quoi ce R? Movie is now red white. No movie. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû ripper une touche sans le faire exprès. Ouais, red only. D'accord, red only. Vas-y si tu veux. Donc il n'y a pas un R1 avec ça. Le R1 dit qu'il faut que je... Oh, putain, ça c'est où? Si jamais tu le sais, ABG, c'est où ça qu'on peut l'avoir? Ça m'intéresse. Get to the top of the beanstalk and dance for a while. C'est ça quoi. Oui, je l'ai vu, hein, merci Lady. Il y a deux parties. Et donc? Merci. Fallait juste. C'était juste extrêmement long. Ouais, je m'en fous de ça. Ce que je veux, c'est le faire même. Ok. Je croyais que ça avait planté. Non, 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 ça n'a pas planté. Mais en tout cas, merci pour les clips. Bravo, 130 points pour ABG. Félicitations, tu as récupéré ta mise car tu étais tout seul à parier.
Voilà, c'est triste, hein. Les prédictions, c'est bien quand t'es un grand streamer. Voilà, on va dire ça comme ça. Quoique même non, parce que Flicky, l'autre fois, il avait genre 60 viewers et on a prédit, il y avait Lady qui a prédit. Injustice. Donc le gars avait beau avoir 60 viewers, il y avait une seule personne qui avait fait la prédiction. LOL. La déception intense. Pauvre Lady. Qui a juste récupéré sa mise de départ. C'est pas Lady, c'était drôle ça. En plus, c'était l'histoire de la Corse, tu te souviens? J'étais là, j'étais, oh, non, je te l'accorderai pas. Moi, j'étais un petit peu connard. Hein. Tu es un grand streamer. Bah oui, tout à fait, exactement, regardez. Dans mon diplodocœur. C'est gentil. Oh, j'ai trouvé ce que je vais chanter, Lady. Je vais chanter mon fils, ma bataille. S'il savait que pourtant, avant de tous les streamers, j'étais le plus grand, et que c'est pour ça que tu voulais un enfant devenu grand. Oh ouais, ça c'est bien. Je suis pas d'accord avec cette décision. Comment ça? Comment ça t'es pas d'accord avec cette décision? Tu leur dis que mon métier, c'est du vent. Qu'on ne sait pas ce que je serai dans un an. S'ils savaient que pourtant, avant de tout le streamer, j'étais le plus grand. Que c'est pour ça que tu voulais un enfant. Je suis en mode rage en même temps que je chante, tout va bien. Tout est logique. Et comment ça vous êtes pas d'accord, Lady? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Expliquez-moi. Vous voulez pas que ce soit mon fils ma bataille? Vous voulez que ce soit le Big Bazar? Encore pire. Pas mon fils ma bataille. Tu l'aimes pas? Tu veux pas ton fils ma bataille? Elle est bien, mon fils, ma bataille. Choisis-en une que je connaisse, au moins. Voilà. Voilà ce que je connais. Bah, tu devras me dire ce que tu connais, alors. Bah, tu me diras dans la playlist que tu connais ce que tu connais dedans. Mais je chante pas de chansons québécoises, par contre. Ça, c'est moi qui les connais pas. On va y réfléchir, on va réfléchir. Il y en a une paire que tu connais. Bon, France Gall, j'ai envie de mourir. Comme d'habitude, histoire de rappeler des choses à les dinosaures. Comme d'habitude, de Claude François, c'est la vie. Je pourrais aussi faire le glitch ici, mais ça m'a saoulé. Ça m'a clairement saoulé. Comme d'habitude, je suis hype. Bah excellent, on va chanter comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on va faire? Le problème de Lady, comme d'habitude, c'est qu'elle a une tendance à monter très haut. Plus que My Way, parce que Claude François, étant habile, la chante avec un ton plus aigu. Ce qui ne va pas forcément. Mais on va essayer. Après, t'es hype pour ça, mais c'est pas forcément elle qui sera choisie. Je vais encore regarder, là, je vais décider. Parce que de toute façon, comme dirait l'autre, c'est pas toi qui décide. Bon, est-ce que je vais la voir, bordel de cul, au bout d'un moment? J'en ai marre. En plus, il fait que lancer des marteaux, je pourrais la voir de loin. Il lance pas de feu. Enfin, sauf au début, mais bref, je me suis compris. Alors, mon set aussi, il faudra l'avoir avec les Fireballs. Donc, on va continuer sur la lancée. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un freeze de l'émulateur. Vous l'avez vu le freeze de l'émulateur. Je suis pas fou. Il y a eu un putain de freeze quand j'ai sauté. Dead.
Ça, on aura 50 Hera. Ce sera beau. On va faire le pacifiste après. Tu fais exprès. Mais non, mais il y a eu un freeze. Il y a eu un putain de freeze à BG. Il y a eu un freeze pendant mon saut. Vous l'avez pas vu dans l'émulateur. Il y a eu un freeze. Il y a eu un putain de freeze. Madeleine. Jacques, comme d'habitude. Comme d'habitude, Claude. Ah d'accord, d'accord. La complainte de... Ah, la complainte de Sally. Elle est cool aussi. Elle est très très cool, la complainte de Sally. Tu me proposes une très très belle chanson. Madeleine, c'est un petit peu la... C'est un petit peu la hype. Madeleine aussi, c'est un petit peu la hype. Je t'avoue que la complainte de Sally, elle est quand même extraordinaire aussi. Mais putain, mais... Ouais. Il y a une ombre dans le vent. Je crois qu'une tragédie m'attend. Ouais, c'est ça. Ouais, elle est bien. Elle est bien. Comment lui avouer comme je l'aime, sans lui faire part de mes problèmes. Le pire est encore à venir. Il y a eu un freeze, ben oui, il y a eu un freeze, je regarderai le clip, vous allez voir, confirmé. Il y a eu un freeze, il y a un moment où vous avez entendu la fireball de Mario, elle a fait clic comme ça. C'est à ce même moment qu'il y a eu le freeze, c'est genre il a envoyé deux boules de feu. Alors que j'ai appuyé sur B une fois. Et du coup ça m'a perturbé. Cette fois-ci on y arrive. Heureusement ça va, ça prend pas du tout 10 minutes de le faire à chaque fois. Mon sel, je l'ai fait. Oh non, non. Ne fais pas de bêtises. Arrêtez. Si jamais il n'y a pas de prise visible, je coupe le clip. Mais il y a un bruit avec la boule de feu, elle a fait prrrk. Tu vas entendre, ça a fait prrrk. Mal copié partout. Non. 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 C'est bon là, c'est bon. Ça suffit faire le hooper, là, c'est bon, c'est terminé. Maintenant, c'est terminé. Plus notre enfance, je n'ai qu'une idée. Enfin, ma patience va être récompensée. Mercutio, je vais te tuer. Ce que Lady la connaît aussi, celle-là. Arrêtez, vous êtes fous, vous n'avez pas le droit. En vous tuant, vous tuerez nos idées et nos lois. Arrêtez. Vivre, on veut tous vivre. Ta-na-na-na, ta-na-na-na. Ok, c'est bon. Arrête. Il est en feu, j'allais dire, mais non, de la grosse merde. Au moins, on peut juste choisir le monde 7 maintenant. C'est pas du tout le monde le plus casse-couille du jeu. Ok, d'accord. Hein, quoi, c'est tout? Le checkpoint est ici? Mais c'est de la merde! C'est de l'ignoble merde! Ok, d'accord. En fait, les stages dans Mario 1 sont super petits. C'est extraordinaire. Alors là, si vous n'avez pas vu le freeze, hein. C'est bien, évidemment. Évidemment, monsieur l'arbitre.
Donc là, en gros, il faut que je survive, que je sné au stage 2. Sans me faire toucher. Parce que sinon, j'aurais pas la fleur. Parce que la fleur, il n'y en a pas de fleur dans le château 7. Il n'y a pas de power-up. Donc le seul power-up que je peux avoir, c'est dans le stage de mort qui est après. Je peux tenter de faire toutes les pièces du monde 3 aussi, du niveau 3 tant qu'à être là. Mais ça me fait tellement chier. Et j'ai trop peur de me faire toucher comme un gros connard. Oh connard. Allez, vas-y, vas-y, Mario, allez, allez, Mario, allez. Mais rentrez chez vous, il est 8h passé, là. Pour les Français, il est 6h passé, là. Allez. Rentrez chez vous. Il m'énerve. Je vais avoir une crise. Je vais tuer. Je vais tuer quelqu'un. Non. Non. Non, pas comme ça. Ah non, mais il y a eu un freeze. Le score, le HUD s'est dédoublé dans les airs. J'ai tout vu. J'ai vu le score se dédoubler, Lady. Je l'ai vu. J'ai vu le score, le HUD. Le HUD s'est dédoublé pendant quelques frames. Vous êtes en 60 FPS, vous êtes supposé le voir. Tes trucs en 60 FPS. Bon, je vais pas prendre les pièces. Souci, bon. Ouais, non, de la merde. De la bite. C'est de la bite! Oh, je vais péter un câble avant la fin, je vais faire une crise. Je vais faire une crise d'anxiété. Pas une crise d'anxiété, une crise de nerfs, putain de merde. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. C'était juste le paratroupa vert que j'avais jamais tué. Il y a en effet eu un qui a rendu HUD exactement à BG. Objection. Oh. Ok, d'accord, j'adore les fleurs de feu. Donc la carapace... La carapace doit tuer un ennemi que je n'ai pas encore tué. Et je sais pas lequel. Je dois regarder l'image pour voir c'est quoi que j'ai oublié. C'est en bas d'abord. C'est en bas. C'est au milieu, c'est en haut. Exactement. Tout à fait perspicace, professeur Light. Ici. Au milieu, en haut. Exactement. Bravo, professeur. Vous êtes vraiment le plus incroyable des détectives, Marm. Allez, coupa. Paf! Et on l'a fait sans mourir, en plus. C'est vrai, c'est incroyable. Oh, 25 points! Nice, 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 nice. J'aime bien ça. Moi, j'aime bien. Ça, c'est bien. Commence à avoir des... Alors, je vais pouvoir en profiter pour me faire mon... de mort là. Ma vie cachée elle est ici ma vie elle est cachée, elle est quelque part ici. Donc j'ai fait tous les machins de merde, ça c'est bien, c'est chiant. Ah quoi que, attends, si je finis ce monde là, si je commence juste au monde 8 comme un gros connard, ça marche? Bah attends, mais la carapace peut pas tuer la bilballe, ça n'a pas marché, les frères marteaux non plus. Sur l'image, il est là. Il est là? Est-ce qu'il est là? Je n'en ai aucune idée. Il semble être à un bloc. Donc c'est ici s'il est là. C'est pas du tout là. Continuons dans le stage. De toute façon, il y a 10 000 endroits où il y a des putains de tuyaux de merde là. Voilà, regardez ça.
C'est ridicule. C'est pas ça. Faut un tuyau haut quand même. Faut un tuyau quand même assez haut. J'aurais pu prendre l'étoile pour être à l'aise aussi. Hein. Au lieu de faire le connard comme d'habitude. Ah, c'est bon, regarde, bon, la montre là, c'est bon. Il est bientôt 8h, je sais. D'ailleurs, est-ce que tu connais ce site ABG? Est-ce que tu as le Yé 8h? Yé-tu 8h? Est-ce que t'as Yé-tu 8h? Ah, il le faut. Il te le faut. Très important pour savoir si tu peux rentrer. Si tu peux rester dehors ou si tu dois rentrer chez toi de toute urgence. Putain, la vie n'est pas apparue, j'ai peut-être raté une pièce. On n'est pas encore mort. On n'est pas encore mort. On n'est pas encore mort vu qu'on n'est pas mort de tout le monde 7. Est-ce que ça va me compter? Ouais, exactement. GG Lady. Ouais, c'est ça, BG. Je pense qu'il connaît l'affaire. Ah, dommage, du coup, j'ai pas la... J'ai pas l'affaire de merde. Bon, du coup, la vie, tout le monde s'en branle. Donc, despawn, voilà. Donc, c'était vraiment le coup pas volant que j'avais jamais eu. Comme impressionné. Oh, la carapace, tain, pour qu'elle touche les billes-balles, je sais pas comment ça marche. Ou bien c'est vraiment la shell. La supposition de base, quoi, ouais. C'est la shell qui marche. Et rien à voir avec la station d'essence, bien sûr. J'en ai marre de ma vie. Ah! Et Twitter? Et Twitter? Est-ce que la shell marche? Mais c'est de la bite! Comment tu veux que je hit une bille-balle avec une carapace, jeu de merde? Comment tu veux que je fasse? Bon, je vais finir le jeu pour voir si je peux avoir le deathless de façon honteuse. Le titre de la vidéo, ce sera C'est honteux. Ou bien le glitch de l'impossible. Je verrai. Je verrai suivant mon succès ou pas sur ce R. Mais si on finit là, on arrête la vidéo là, en tout cas ça c'est clair. Et du coup, soit on fera le pacifiste un autre jour. Ah! Oh non, c'est pas là, connard, catin, catin. C'est après. Voilà. Je vais balancer toutes les insultes que je connaissais, bien sûr. Mais ça n'a aucun sens, la shell passe à travers. Comment veux-tu que je le touche avec la shell? Si elle passe à travers, enfin, un peu d'esprit. Non, normalement non. Mais peut-être, ABG, peut-être parce que justement, sur l'horaire, j'ai mis que je streamais pas demain, mais j'ai dit que peut-être, j'allais faire quelque chose. Et ça se peut que je continue Mario, du coup, demain. Tant qu'à être dedans, je me dirais que peut-être que je continuerai demain. Vers 6-7 heures. Pile avant le couvre-feu. Pour rentrer chez vous. Carré. Carré. Donc normalement demain je vais stream, ouais. A la base je voulais faire du cook surf ou bien autre chose de plus chill, on va dire, mais... Je suis dans Mario et là j'ai bien le mood de le finir, là, ce putain de jeu de merde, là. Voilà. Mon pacifiste. Mon pacifiste, bien sûr. Il va être 23h, là, en plus, je vais pouvoir couper le stream, ça va être extraordinaire. Regardez, ça c'est pour vous. Ça c'est pour vous, c'est le wall jump. C'est pour vous, c'est le wall jump. Voilà, c'est pour vous, c'est le wall jump. Ne te fais pas toucher, ne te fais pas toucher, j'ai pas envie de dealer avec le vrai boss final. Est-ce que je vais avoir le RA d'avoir fait le jeu sans mourir? Dans tous les cas, j'aurai le RA d'avoir fait le monde 8 sans mourir, donc ça ce sera bien. D'accord, j'aime bien quand les boules de feu passent à travers la mort. Ouais, le vrai boss final, voilà, c'est de la merde le vrai boss final. Thank you.
Complete World 8 sans perdre de vie. Ah non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, ce n'est pas une honte. Hélas. Hélas, ça n'a pas fonctionné et ça, je ne sais pas. Ça non plus, je ne sais pas. Mais ça, je peux le faire facilement. Tout le reste va être fait. Ça, ça peut se faire facilement. Ça, bon, on va les faire. Bah, c'est plus que le 3. On se demande pourquoi je suis mort dans le monde 3, dis donc. Hein. Et ça, par contre. Ça, c'est... Ça, c'est de la folie, par contre. Ça... Ça, là, ça va être... Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, si pas impossible. Mais les pacifistes, ils peuvent aller. En tout cas, YouTube. On va s'arrêter là, YouTube. Je me trompe toujours de bouton. On va s'arrêter là. C'était donc la deuxième partie des eras de Super Mario Bros. Sur NES. Bien évidemment. Je vais juste faire quelque chose. Je vais... Pourquoi ça s'actualise pas ces conneries? J'ai pas fait le jeu à 72%. A mon avis, le truc des completed, il bug encore un petit peu. A mon avis, il bug un petit peu. Mon avis, il bug un petit peu. Il veut pas s'actualiser. Mais en tout cas, c'est pas 72%. On n'a même pas fait la moitié des points. C'est ridicule. On a fait 53 succès. Ouais, ouais, il y a des paquets, quoi. Il y a des paquets de 8, hein. Par 8 par 8, bah, ça va vite, hein. Ça va vite pour arriver à ça. Mais on les fera pas tous. En tout cas, YouTube, au revoir. Prochaine fois, on continue. On va sûrement faire les trucs du pacifiste. Compte sur moi. Enfin, compte sur nous. Enfin, compte sur moi, oui. Pardon. Au revoir, YouTube. Fiche-moi la paix.